Bonjour, Sylvie, réflexologue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment soulager un mal de tête. Mal de tête. Mal de tête, c'est très vague. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir un problème au niveau des yeux, un problème au niveau du foie, un problème d'allergie également. On va essayer de travailler en fonction, en totalité, comme je l'expliquais tout à l'heure. On ne va pas seulement travailler la tête. On va travailler également le foie, par exemple. Donc sur le pied, on va toujours partir dans l'ensemble. On a mal à la tête, ok, mais on va aller un petit peu voir tout autour de cette tête. La tête dans le pied est au niveau du gros orteil. Donc nous avons le diencéphale ici. Donc déjà, si on travaille et qu'on appuie sur ce gros orteil en haut, ici, qu'on prend aussi les plus petit, on va travailler le haut, le sommet des orteils. En savoir que quand on a mal à la tête, ça peut être aussi un problème de foie. Le foie est sur le côté droit du pied, sur cette zone ici. Vous avez un repère au niveau osseux, vous sentez une phalange ici. Vous démarrez ici et vous appuyez, vous travaillez cette zone, toute cette zone, en appuyant le plus possible. Ce sont vraiment des points. Plus on va aller en profondeur, plus ce sera efficace. Donc vraiment, il faut appuyer toute la partie du foie. Et puis on reprend au niveau de la tête, du gros orteil. On appuie au sommet. Le mal de tête peut provoquer aussi des douleurs au niveau cervical, au niveau du cou. Donc on va descendre au niveau des cervicales, la colonne vertébrale étant sur toute la partie du côté, les cervicales sont juste en haut. Donc on va travailler ici et c'est pareil, on appuie avec des points. Bon, le pied n'est pas toujours pratique à travailler, donc les mains peuvent aussi être un outil. Et de la même manière, sur le pouce, vous avez la tête. Donc vous pouvez travailler en appuyant toujours sur ce pouce, sur l'extrémité de l'index aussi. Et de la même manière, vous avez le foie qui se trouve en dessous des phalanges. On a le repère osseux, on sent, on suit en fait toute cette zone et on appuie. Ça peut faire un peu mal. Mais c'est ce qu'on appelle le mal qui fait du bien. Plus on enfonce, plus on va aller en profondeur et plus ça va être efficace. Après, il faut vraiment connaître l'origine de ce mal de tête. Essayer d'avoir des repères, si c'est hormonal, si c'est juste avant la période de règles pour les femmes, on peut aller travailler l'hypophyse. L'hypophyse est un petit point sur le pouce, ça fait une petite bosse. On va l'attraper et appuyer très fort dessus. Si vous sentez que ça vient d'un problème des yeux, d'une fatigue oculaire, on sait que les yeux sont sur ces deux orteils. Voilà pour le mal de tête, en sachant toujours qu'on prend le corps dans son ensemble, on cherche la cause. Donc que ce soit hormonal, que ce soit digestif, ça peut être un problème au niveau du foie. On essaie déjà de comprendre l'origine et ensuite on peut aller travailler sur ces zones au niveau du pied et de la main.